dans le foot, on n'arrête pas de te dire que sans les autres, t'es rien. Mais en fait, t'es toujours tout seul. Nico, il a pris ça en compte. En avouant cela à l'été 1999, Thierry Henry, successeur en quelque sorte d'Anelka aux Gunners d'Arsenal, enterre pour de bon la grande idée que l'on pourrait se faire de ce sport. Évidemment, la solitude de la star s'est vite emparée de Nicolas Anelka. Comment pourrait-il en être autrement? Les millions l'ont happé. La surmédiatisation lui a volé une part de son enfance, sans qu'il faille pour autant pleurnicher sur son sort. Pour se payer l'enfant prodige, le Real Madrid oublie ses comptes élastiques et un endettement de l'ordre de 1,2 milliard de francs. Mais qui connaît vraiment le Real Madrid dans l'entourage d'Anelka? Qui lui a fait une description fidèle des scènes de crise permanente et des luttes de pouvoir entre les joueurs? En débarquant dans cette Espagne glorieuse, le Français croit enfin sortir de ses peurs, de ses tiraillements venus en général de ses supposés concurrents dans une équipe. Fort de son statut de nabab, il s'imagine, et qu'il ne le ferait pas à sa place, que tout est presque écrit pour lui, que la grande majorité des joueurs l'attend comme le sauveur d'une ville. Je ne m'imaginais pas avec autant de monde pour moi. Je regarde pas les millions, de toute façon ils sont pas pour moi, premièrement. Et je ne crains pas la presse espagnole. De toute façon, avec ce qui m'est arrivé en Angleterre, je pense qu'il ne doit pas y avoir pire. N'étant pas un grand communicant, l'effacé Anelka prit tout de suite le contre-pied des usages. Pas de sourire, pas de compliments, juste une gueule fermée qui se pointe aux entraînements comme un ouvrier lassé de son usine. Il faut dire que le terrain ne fut jamais conquis dans ce club de stars. Rapidement, Anelka devine qu'il retrouve le même mur d'indifférence et de mépris qu'Arsenal. Il suffit juste de changer les noms. Le corporatisme d'Overmars et de Bergkamp chez les Gunners s'est recopié en Espagne avec la paire Raúl Morientes, qui prend le transfert d'Anelka comme une mesure vexatoire. Il faut encore dire que le brave Nico prend de la place dans le cœur des foules. Aussitôt prévenu du transfert miracle, les supporters du Real se ruent dans les guichets d'abonnement. Anelka, le meilleur du monde! Dans cette gigantesque bourse aux footballeurs, l'action Anelka fait baisser toutes les autres. Nicolas est désormais un joueur du Real Madrid. À lui de démontrer qu'il vaut réellement tout ce qu'on a payé pour lui. Cette déclaration du président Lorenzo Sanz, reproduite dans François le 6 août 1999, illustre bien les terribles enjeux de ce transfert déshumanisé. Il ne sera jamais question d'adaptation, de patience à accorder à un footballeur de 20 ans. D'entrée, Anelka plonge dans une polémique orchestrée avec soin par Morientes, le buteur patenté qui prévient qu'il ne lâchera pas un seul bout de son maillot frappé du numéro 9 pour faire la place aux Français. Le 9 appartient à Morientes, je lui laisse, d'ailleurs je n'en voulais pas, réplique un peu forcé l'ex-gunner. Se fout-il vraiment de ce numéro 9? Non, bien sûr que non. Mais Nicolas Anelka n'a pas trop d'armes en débarquant dans cette espèce de champ de mine, entraîné par le peu charismatique John Toshack. En cet été 1999, le soleil s'est quelque peu couché sur son horizon. En quittant Arsenal, l'ex-enfant de trappe perd, sans trop le savoir à l'époque, les repères protecteurs d'un certain Arsène Wenger. Orphelin de son Arsène, le Frenchie ne peut se raccrocher qu'à Carambeu, compatriote isolé de ce luxuriant paquebot. Bref, il pénètre de plein pied dans le monde des adultes, sans bouée de sauvetage, sans Wenger, sans la France, sans le droit à l'erreur. Anelka s'est donc replié sur lui-même, fort de ses certitudes qui l'ont poussé à grandir toujours plus vite que les autres. Certains de ses forces qui l'ont amené à ne jamais se laisser écraser par le poids fracassant d'une majorité. « Je sais que je ne serai jamais le plus aimé », dira-t-il un peu plus tard. « J'ai du mal à faire semblant d'aller vers les autres. Je n'ai pas besoin d'aimer tout le monde. » Les millions n'ont pas changé cette humeur-là. Ils lui ont juste permis de s'attirer des regards envieux, féroces, durs, aussi implacables que les premières années. Le 22 août 1999, l'enfant de trappe va se frotter à Majorque, révélation de la saison précédente. Le temps supposé de l'idolâtrie ne se pratique évidemment pas sur les terres de Majorque. Pour Anelka, très en retard sur le plan physique après sa pseudo-dépression et la bataille juridico-financière livrée à Arsenal, il n'y a rien à attendre de ses nouveaux coéquipiers. Et surtout, un dénommé Morientes, qui a du mal à se faire à l'idée qu'un type a été acheté 220 millions de francs pour écraser ses plates-bandes.
À s'y pencher de plus près, le volcan Real crache ses démons de tous les côtés. Il y a d'abord les mauvais matchs de McManaman, mais aussi la crise ouverte entre Seedorf et son entraîneur. Sans oublier l'omniprésence de Lorenzo Sanz. Le Real court pour rattraper une part de son prestige envolé. Pour cela, le toujours facétieux Sanz se fabrique un rêve en multipliant les étoiles dans son imaginaire. À ce titre, rien n'est trop beau. La notion tactique et le degré de complémentarité n'ont dès lors aucun poids sur cet homme-là. Sanz fait pression pour qu'Anelka soit associé à Morientes pour une sorte de duo improbable mis sur orbite par le brillant Raoul. Alors, Toshack, tel un pantin désarticulé, s'incline et satisfait les désirs de son président. Privé d'autorité, que peut-il soutenir pour freiner la starisation immédiate d'Anelka? Comment faire comprendre à la foule, au stade, aux dirigeants, qu'un joueur acheté 220 millions de francs a pour l'instant plus besoin du banc de touche que d'une entrée en scène prématurée? Les médias espagnols contribuent eux aussi à faire du coûteux Nicolas une gigantesque curiosité. Le 22 août 1999 à Majorque pousse déjà les critiques à s'amuser du rapport qualité-prix de la star. Anelka joue un peu plus d'une heure avec quelques éclairs, mais rien de très essentiel. On le sent fatigué, nerveux, plus renfermé encore qu'à l'accoutumée. Quand il sort du terrain, le Real et sa kyrielle de vedettes courent après le résultat, mené 1-0 par Majorque. Les minutes passent, Anelka ne manque à personne, quelque chose s'est libéré sur le front de l'attaque. Il flotte un léger air de revanche dans la tête de quelques-uns de ses coéquipiers, un peu vexé de subir tout ce tintamarre depuis le méga transfert. Au tableau d'affichage, il y a comme deux coups de poignard qui se sont plantés dans l'avenir du Français. Le Real, en son absence, finira par l'emporter 2-1 grâce à des buts au finish de Raúl et Morientes. Les phrases tombent facilement. Elles mêlent l'ironie à une réalité incontestable sur le terrain. Ainsi, AS, un quotidien sportif madrilène, rappelle que les meilleures histoires s'écrivent souvent avec les anciens. Anelka a montré qu'il était très fort, mais ce sont nos bons vieux Espagnols qui font gagner le Real. Personne n'écrira que les bons vieux Espagnols s'amusent délicieusement à ne se servir d'Anelka qu'en cas de force majeure. Dans France Soir, le pestiféré lâchera d'ailleurs quelques heures après son match. Ça a été très dur physiquement. J'ai eu du mal au bout d'une heure et l'entraîneur m'a fait sortir. À la question « Êtes-vous content de votre performance ?», Anelka n'hésite pas. La colère ne fuse pas encore, mais il est déjà plus ou moins à cran, prêt à entamer une autre guerre contre le monde entier. Non, pas du tout. Je ne me suis pas senti bien sur le terrain. Je n'ai éprouvé aucune bonne sensation. Je n'ai aucune explication. C'est la vie. Il faut lui reconnaître une langue moins bien taillée dans le bois que la majorité des nouveaux joueurs du club. Le Français, star du Real, se moque bien du discours officiel que l'on débite pour endormir le public et la presse. Il sent déjà que la cohabitation avec Morientes se jouera dans la douleur. Il devine déjà qu'il lui faudra marquer un bout de son territoire pour exister. Il regarde déjà l'horizon en tentant d'apercevoir un coin d'air frais. Car de Paris à Madrid en passant par Londres, les grandes villes savent aussi briser les ascensions trop fulgurantes. En fait, le véritable baptême du feu se produit le 13 août 1999. Sur la pelouse, le Real se frotte à Pérouse lors d'un match amical. En attaque, Anelka semble avoir gagné deux premières victoires. Il est déjà pris pour un titulaire et porte, et il ne s'en fout pas, contrairement à ce qu'il prétend, un maillot frappé du numéro 9. Celui-là même que Morientes ne voulait pas lui lâcher. Au bout d'une heure, comme 8 jours plus tard, Nicolas s'efface. Il laisse place à Morientes qui se fait un malin plaisir à marquer avec fureur. Histoire de foutre un grand coup de pied dans les 220 millions de francs de transfert de l'indélicat ennemi. La jalousie a supplanté le reste, la rancœur aussi. Ainsi, David Dean, vice-président d'Arsenal, a bien pris soin d'attendre l'officialisation du transfert pour régler ses comptes avec son attaquant si turbulent. Par la voie d'un communiqué, il met en garde le Real Madrid contre les sautes d'humeur et les caprices d'Anelka. Coupable selon lui d'une conduite antiprofessionnelle durant les 2 derniers mois qu'il a passé chez les Gunners. Les propos auraient été plus justes et sincères si ce même Dean l'avait tenu sur le yacht au large de Saint-Tropez
quand ils discutaient le bout de gras, le prix de l'épicerie et toutes les modalités d'usage retenues pour un accord à 220 millions de francs. Au fond, David Dean n'est pas meilleur que Lorenzo Sanz. Il est lui aussi tombé sur un jeune type né d'une génération qui préfère recevoir avant de donner. Mais n'est-ce pas la meilleure des revanches pour tout un tas de footballeurs abusés ou désabusés par l'effrayante machinerie des gros clubs? Pour l'heure, Nicolas Anelka apprend à éviter les regards trop lourds de quelques madrilènes. Salut les doves, j'espère que vous avez aimé cette lecture. Elle est tirée du livre Nicolas Anelka, une énigme d'Alain Hazard aux éditions Solar. Vous savez les doves, plus je lis, plus j'apprends et plus je me rends compte que le monde est complexe et que juger les gens d'un point de vue extérieur finalement n'a pas de sens. Je suis pas là du tout pour excuser la vie de Nicolas Anelka, toutes ses erreurs, pas du tout. Mais lire nous apprend que finalement, dans la vie, quand on est confronté à certaines difficultés, qu'on n'y est pas préparé, il est difficile de réagir de la bonne façon, de la meilleure des façons. Je ne sais pas si ces lectures vous ont appris quelque chose, mais moi, ce que j'aimerais qu'il vous reste dans la tête et dans le cœur, c'est que juger un individu comme ça, ça n'a pas d'importance. Mais que développer son empathie, sa faculté à comprendre, pas forcément à accepter, pas forcément à être d'accord, mais simplement à comprendre, c'est quelque chose d'énorme. N'hésitez pas les deux à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de Nicolas Anelka, de son style de jeu, de son passage au Real Madrid. Où l'avez-vous préféré? Où le mettez-vous dans la hiérarchie des attaquants français? Je vous dis à bientôt. C'était Flavien Bory, c'était Dof de Foot, journaliste. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Hey les mecs, vous cognez sur des plus petits que vous? Hein? Ça a l'air vachement cool. Je peux jouer avec vous? Et s'il te plaît, tu peux me donner du feu? Ouais, tiens, voilà. Et qui t'es, toi? Qui je suis? Je m'appelle Doraemon et je suis le boss de la bande de Santama.